Bonjour, avant cette revue de presse, j'aimerais que vous signiez cette pétition « Non, non à la Troisième Guerre mondiale pour le Donbass ». Merci d'avance, le lien est en description. Nouvelle frappe russe sur l'Ukraine, la ville de Kramatorsk a été la cible de bombardements hier. Au moins 3 morts et une vingtaine de blessés dans l'explosion d'un immeuble qui s'est effondré après avoir été touché par un missile. Le gouvernement de Kiev lutte sur plusieurs fronts. Sur le plan intérieur, poursuite de l'opération main propre, vague de perquisitions dans les administrations contre les fonctionnaires et des personnalités ukrainiennes. Sur le plan extérieur, il y a l'envahisseur russe, bien sûr. Volodymyr Zelensky et ses proches en sont convaincus. Moscou prépare une grande offensive. Caroline Baudry. La Russie se prépare à une escalade maximale, a déclaré hier Oleksiy Danilov, le secrétaire du Conseil de défense en Ukraine. Il donnait une interview aux médias britanniques Sky News. La Russie rassemble tous les moyens possibles actuellement. Leurs soldats font des exercices et s'entraînent. Et quant à l'offensive sur plusieurs fronts que nous attendons, je peux dire que pour l'instant, nous n'excluons aucun scénario dans les 2 à 3 semaines à venir. Nous avons traversé une longue période difficile, mais j'ai conscience que le principal est à venir. Ce sera cette année, d'ici 2 à 3 mois. Des propos qui n'arrivent pas par hasard, ils permettent de faire monter la pression sur les alliés de l'Ukraine. Vendredi, un sommet exceptionnel de l'Union européenne se tiendra dans l'état en guerre, alors que Kiev continue à réclamer aux Occidentaux des avions et des systèmes d'artillerie d'une portée de plus de 100 km pour mener des contre-offensives. Caroline, je vous propose d'écouter le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, au micro de notre envoyé spécial. Il annonce une accélération de la formation des soldats ukrainiens par l'Union européenne. On a lancé une mission d'entraînement militaire à laquelle participent plus de 20 pays. Et le but initial, c'était de former 15 000 soldats. J'ai visité un champ d'entraînement ici, en Pologne, pas loin de la frontière ukrainienne. Mais la mission fonctionne très bien. Et on a doublé le nombre de soldats que la mission va former, jusqu'à 30 000. Dans le même délai, mais deux fois plus. In an unprecedented sign of solidarity and support, the EU delegation is coming to Kyiv for the EU-Ukraine summit. Among many issues on the agenda, Ukraine's EU accession. Now, Brussels is set to encourage Kyiv to continue the reforms needed for the EU membership, whilst Kyiv wants to get more details and more clarity on when would that happen, given that Ukraine has been implementing some of these reforms while at the same time defending itself for almost 1 year now. The EU-Ukraine summit is all about both sides managing their expectations. Il s'agit de la première réunion entre dirigeants européens et ukrainiens depuis que l'Ukraine a obtenu le statut de candidat. Le Premier ministre ukrainien a fixé un calendrier de 2 ans pour assurer l'adhésion à l'Union européenne. Mais cela ne dépend pas seulement de l'Ukraine. We understand that within the European Union there are differences when it comes to the speed of our accession. And we understand that, that's something we recognize, and we're in the midst of having these negotiations. Whether it's realistic that we'll join in 2 years, I'm not going to be the judge making that statement. But look, when we look at the history of the European Union, the negotiation process can take years. Kyiv espère seulement que ce processus se concrétisera bientôt et ne prendra pas des décennies. La Chine, elle, demande depuis hier, hein, officiellement, aux États-Unis d'arrêter les livraisons d'armes à l'Ukraine. Et puis, alors, derrière ces échanges géopolitiques, on a les discours qui s'emballent. Et puis, nous sommes également avec Pierre Conessa. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancienne haut fonctionnaire, spécialiste des questions de géopolitique. Et puis, ce dernier livre qui nous intéresse particulièrement, Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel, oui, c'est ça, aux éditions de l'Aube. Alors, d'abord, je vais donner tout de suite la parole à Régis Le Sommier. J'ai couvert pas mal de guerres, de l'Afghanistan à la Syrie, au Mali, en passant par la Libye. Et quelques autres, la Syrie aussi. Là, on est dans une toute autre dimension. Ce qui m'effraie un petit peu dans les propos de Claude Malhuret ou de Robert Ménard, c'est je pense pas qu'ils mesurent à quel point
ce conflit est meurtrier, atroce, comment des frères ennemis que sont l'Ukraine et la Russie aujourd'hui se saignent mutuellement dans ces friches industrielles du Donbass. Quand j'ai dit je ne veux pas avoir ça chez moi, j'ai eu tout à coup une espèce de retour de tout ce qu'ont pu vivre mon grand-père, par exemple, à Verdun, des choses qui étaient dissimulées dans la famille parce qu'il avait tellement souffert, il avait 17 ans, et là j'ai vu des gosses qui ont son âge, certains autres sont plus vieux, refaire la guerre et vivre avec les obus en permanence, c'est-à-dire cette espèce de... Vous savez, quand vous êtes dans ces zones-là, les combattants avec qui vous êtes sont entre deux mondes. Ce sont des gens qui ont accepté leur mort. Cet état de guerre, je ne le souhaite à personne, c'est ça que je veux dire. Je ne suis pas géopoliticien, je ne suis pas un militaire, un grand général, mais ce que je remarque chez un certain nombre de généraux qui ont des propos de va-t'en guerre comme ça, et même chez le Robert Ménard, qui a eu une carrière respectable en étant notamment à la tête de RSF, il a connu des reporters, il sait ce qu'est la réalité des reporters, mais il ne connaît pas ce qui se passe là-bas. Les Russes, je l'ai bien vu, se sont absolument barricadés. Contrairement à ce qu'ils ont pu faire dans l'histoire, ils ont appris très vite de leurs échecs, notamment de ce qu'ils ont, de la gabegie de cette tentative d'encerclement de Kiev, de leur retrait de Kharkiv et puis de Kherson donc récemment. Et ils se sont absolument barricadés. Donc chaque kilomètre carré que les Ukrainiens pourront reprendre avec l'aide de nos chars sera payé dans le sang et dans le sang ukrainien. Et c'est ça qui est terrible parce que on envoie des gens à la mort, on envoie des gens en disant oui, on va vous aider. Puis, Jacques Chirac, quand il a refusé de s'engager en Irak, il connaissait la guerre. C'est quelqu'un qui a fait la guerre en Algérie. Quand on a fait une guerre, on est tout à fait réticent à recommencer une parce qu'on sait que c'est très facile de décider d'une guerre. En revanche, c'est très très difficile de l'arrêter. Donc on s'en fiche éperdument de l'Ukraine dans le fond. Ce qu'on veut, c'est comment arriver dans les meilleures dispositions et peut-être potentiellement abattre la Russie, qui pour nous, pour ces gens-là, en tout cas, reste une menace. C'est une menace qui n'a jamais cessé depuis 80 ans, notamment dans les couloirs du Pentagone ou dans les officines de K Street à Washington, où il y a des gens qui rêvaient de cette revanche contre les Russes. Vous savez, pour certains Américains, la parenthèse djihadiste qui a duré 20 ans depuis la chute des talibans, la chute des Twin Towers et le retour des talibans, a été qu'un dérivatif par rapport au combat essentiel, existentiel peut-être de ces gens-là, c'est-à-dire d'abattre la Russie et de revenir à ce vieil affrontement est-ouest. Il y a les pieds américains, il y a les intérêts de l'économie américaine. Bon, est-ce que complètement c'est nos intérêts? On s'en compte que non, puisque on subit cette crise de plein fouet et notre situation, nous Français, est moribonde. Donc on est pieds et poings liés avec ces Américains. On aurait mieux fait de prendre des voies un peu différentes et de revenir à la voie traditionnelle de médiatrice de la France dans ce conflit. On a vu Emmanuel Macron essayer, tenter ce dialogue avec Vladimir Poutine, mais très vite il s'est rangé derrière les Américains, parce que malheureusement aujourd'hui, la politique de l'Europe, c'est de se ranger derrière les Américains. Oui, ce qui m'a surpris dans le début de votre analyse et dans l'intervention de Régis Le Sourvier, c'est que vous avez cité deux témoignages, l'un d'un ancien humanitaire, Maluret, l'autre d'un ancien défenseur de la liberté de la presse, Robert Ménard, qui sont devenus des bellicistes de plateau télé. Ouais. C'est-à-dire, effectivement, ils incitent, si vous voulez, à ce qu'on livre et ce qu'on soutienne, voire qu'on arrive jusqu'au point de bascule de la guerre, mais sans jamais proposer d'y aller. Et c'est ça qui est la véritable transformation qu'on a connue après 91, c'est-à-dire par la disparition de l'URSS. C'est ce que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel, qui me paraît aujourd'hui beaucoup plus puissant que le militaro-industriel, qui était un peu l'analyse d'Eisenhower en 1953, et on était en pleine guerre froide, on était dans la montée en puissance de la belligérance possible des deux super grands. Aujourd'hui, on est dans une situation complètement différente, et je dirais presque, avec la disparition de l'URSS, et surtout après la guerre du Golfe, si vous voulez, c'est devenu une espèce d'open bar, c'est-à-dire on vous dit, attendez, il y a 400 crises à la surface de la planète. Moi, je vais vous dire laquelle est la plus importante, celle dans laquelle il faut intervenir. Je connais les gentils, je connais les méchants. Bon, et la figure de proue de ce système-là, c'est évidemment BHL. BHL. Non, absolument. Le complexe militaro-industriel, je le connais d'autant mieux, si vous voulez, que j'ai travaillé longtemps à la Délégation Générale pour l'Armement et que j'ai fait de l'exportation d'armes. Ce qui s'est passé après 91, c'est que la victoire sur ce qu'on croyait être la troisième armée du monde, c'est-à-dire l'armée irakienne, la quatrième, pardon, je n'ai jamais su qui était la troisième, la quatrième armée du monde,
a été tellement rapide en 120 heures que, si vous voulez, la guerre est devenue un spectacle. Rappelez-vous, c'est un spectacle filmé en live. Oui. Et c'est un scénario dans lequel on pensait que notre supériorité militaire était telle que, de toute façon, on réglerait tout problème de la planète avec une intervention militaire. Or, on s'aperçoit d'abord que aucun des problèmes et des interventions qu'on a fait dans ces 15 dernières années n'a été résolu par une intervention militaire. Voire pire, voire empiré. Et oui, absolument. Et donc, sur le scénario ukrainien, qui est celui qui nous occupe aujourd'hui, moi, j'ai apprécié beaucoup la position du président Macron, qui, en maintenant le contact avec Poutine, lui fait comprendre que, de toute façon, il ne pourra pas gagner cette guerre. C'est ça le message. Mmh. Il ne pourra pas gagner cette guerre parce que, si vous voulez, l'aide montera en qualité et en quantité à chaque fois que la situation militaire risque de basculer. Mmh. Je suis dans mon bureau à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, j'ai refusé d'aller en séance applaudir le président du Parlement ukrainien parce que ce Parlement a publié le 1er janvier dernier, et c'est pas moi qui le dis, c'est le journal Le Monde, on peut pas suspecter d'être en ma faveur, a publié un tweet où on voyait le commandant des forces armées ukrainiennes devant le portrait de Stepan Bandera, ce collaborationniste de l'Allemagne nazie qui a massacré des milliers de Juifs et de milliers de Polonais. Et voir le Parlement ukrainien d'aujourd'hui, dont le président a été applaudi par l'hémicycle, faire l'apologie d'un collaborateur de l'Allemagne nazie, en tirer une sorte de gloire pour le combat contre la Russie, m'a ébranlé. Et ce tweet du Parlement ukrainien a été supprimé suite aux protestations d'Israël et de la Pologne. Et donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment notre Assemblée nationale peut, comme cela, à ce point, prendre parti dans ce conflit fratricide entre la Russie et l'Ukraine. Il ne s'agit pas, encore une fois, de nier les torts des uns ou des autres, mais il s'agit de demander une voie de paix et d'arrêter de livrer des armes lourdes qui ne font qu'envenimer le conflit. Une chose est de défendre la souveraineté de l'Ukraine. Une autre est d'alimenter des armes lourdes, comme vient de faire la France avec de nouveaux canons César. Une chose est de relancer l'offensive ukrainienne pour, non pas défendre l'Ukraine, mais pour démanteler la Russie. Et c'est là où on est en train de franchir une ligne. Contrairement à ce que j'entends, je ne suis l'avocat de personne. Je demande à la France une position impartiale pour désamorcer ce conflit, pour réconcilier ces nations, pour trouver un statut pour le Donbass qui, je le rappelle, a été bombardé par les forces ukrainiennes avec des milliers de morts, pour faire respecter les accords de Minsk. À l'Assemblée nationale, après l'intervention du président de la Rada, les groupes se sont exprimés. Et ce qui était effrayant dans beaucoup de groupes qui soutiennent Macron, c'est cette idée selon laquelle les conditions de l'Ukraine et de Zelensky seraient les conditions de la paix. C'est une hérésie, car en fait, Zelensky ne veut pas la paix. Il transforme son peuple en chair à canon parce qu'il veut détruire la Russie. Il ne faut pas détruire l'Ukraine, mais il ne faut pas détruire la Russie, il faut un équilibre. Et l'honneur de la France serait aujourd'hui de proposer le plan de paix que je ne cesse de proposer depuis le début, qui est un plan de paix équilibré, qui permettrait l'autonomie du Donbass, qui permettrait le retrait des troupes russes, qui permettrait la neutralisation de l'Ukraine hors l'OTAN. L'OTAN doit s'arrêter aux frontières actuelles de l'OTAN. C'est la seule solution. Et je remarque que les républicains américains ne sont pas loin de cette proposition. Je remarque aussi que dans le monde entier, la plupart des pays aspirent à cela. Et que des va-t-en-guerre nous poussent vers un suicide collectif de l'Europe. Alors, j'étais un des seuls à ne pas venir écouter le président de la Rada, car je n'accepte pas
que l'on combatte avec une idéologie alliée à l'hitlérisme. J'ai été un des seuls à ne pas applaudir ceux qui volent les va-t-en-guerre. Je me réjouis que certains groupes aient demandé une paix, mais je pense qu'il faut être clair. Aujourd'hui, la France doit retrouver son indépendance. C'est ce que j'ai dit. De toute façon, quoi que dise Macron, etc., Ursula arrivera derrière, dira « on envoie des armes à Kiev, on les finance, on envoie 18 milliards d'euros en 2023 à Kiev, etc. etc. » Ce qui, au passage, nous implique, nous oblige. Et donc, tant que vous n'êtes pas souverain, vous parlez dans le vide et nos débats démocratiques n'ont plus de sens. Nous ne le sommes absolument plus. Absolument sur plus. Aucun plan, ou presque. Sur aucun plan. Ouais. Je ne sais pas sur quel plan on est encore véritablement souverain. Certains domaines, on l'a un peu plus que d'autres, mais enfin, globalement, nous sommes une colonie. Il faut dire les choses telles que ça s'appelle en droit international. Nous sommes un pays qui est une colonie. C'est pas un pays qui a la souveraineté. C'est pas un pays qui a la clé de son destin. Vont par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, les bruits de bottes, voilà, il faut aller plus loin, etc., qu'on entend dans les médias, qu'on entend un peu partout. Vous en pensez quoi? Je pense la même chose que ce que je pense depuis le début. Je savais, je l'avais écrit dans un petit manifeste pour la paix et la liberté sorti début mars, donc juste après le conflit, je l'ai écrit en, c'est tout petit, je l'ai écrit en une soirée. J'avais dit, ils mettront de l'huile sur le feu, côté OTAN, jusqu'au bout. Parce que certains veulent cette guerre mondiale. Mais là, je pèse mes mots. Il y a dans l'entourage, notamment dans un entourage américain, Biden, enfin autour de Biden. Autour de Biden, il y a des faucons qui veulent la Troisième Guerre mondiale. Mmh. Emmanuel Todd l'exprime d'ailleurs extrêmement bien dans son nouveau livre, La Troisième Guerre mondiale a commencé, il faut prendre les choses très au sérieux. Donc quand Macron, qui n'est qu'un petit domestique de ce système-là, et ça me fait mal de parler comme ça du président de la République française, bah oui, parce que j'ai une très haute conception de mon pays. C'est un peu fort de café ce que vous dites, mais oui. On peut voir. Enfin, écoutez, sur la caricature hier devant BlackRock, nous l'avons même représenté en caniche d'Ursula, qui le tenait en laisse. Il faut dire les choses, un peu hargneux d'ailleurs, hein, qui mordait les travailleurs français. C'est la triste, ça me fait pas plaisir, hein, c'est la triste réalité, il faut dire les choses. Hein. Donc nous avons un domestique qui veut être tellement bien vu de son patron qu'il en rajoute. Même les Américains et les Allemands ont dit, nous on ne livrera pas d'avions de combat. Et Macron lui dit, pourquoi pas? Mais enfin, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ça dégénère. Il veut qu'un avion aille ensuite bombarder la frontière en Russie et qu'ensuite la Russie, vous croyez qu'elle va pas rester les bras croisés, hein, va envoyer je ne sais quoi, une attaque contre un pays de l'OTAN et c'est terminé. Et là, on entre dans l'engrenage de la guerre. Depuis le début, nous pouvons viser la paix. Mais la paix ne se fera pas avec ces fous furieux de l'OTAN, ni avec celui qui est devenu complètement qui est à moitié dingo et qu'on devrait arrêter de suivre comme ça, c'est-à-dire Monsieur Zelensky. Qui est quand même, excusez-moi, dingue, complètement dingue. Arrêtons de suivre ce type. Et dans l'intérêt du peuple ukrainien, arrêtons de suivre ce type. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de gens qui sont prêts à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Et ben moi, je veux dire, moi, je me battrai certainement pas pour Monsieur Zelensky, ni pour Ursula von der Leyen, ni pour Jens Stoltenberg, le patron de l'OTAN, ni pour Monsieur Biden. Jamais je me battrai pour ces gens-là. Vous voyez, jamais. Par contre, qu'on se batte maintenant pour la paix, oui. Alors, il faut être sérieux, on arrête de livrer des armes, on arrête d'envoyer des milliards que nous n'avons pas à ce pays qui est ultra corrompu, on revient sérieusement à la table des négociations, on arrête de dire qu'ils vont rejoindre l'OTAN et l'Union Européenne, qui est une provocation monstrueuse, et on le sait, on le fait pour ça, contre la Russie, et on discute du statut du Donbass, parce que c'est ça l'essentiel du problème. Une fois qu'on a réglé le problème de l'appartenance à l'OTAN et du Donbass, on a réglé le problème, point barre, et on peut aller vers la paix. Ce qu'on aurait déjà pu faire il y a déjà quelques mois. Ce que nous devions faire en étant notamment garants des accords de Minsk. Bien sûr. Nous avons été faussement garants des accords de Minsk, et nous l'avons avoué récemment. J'ai oublié de dire, nous faisons une grande marche nationale pour la paix, le dimanche 12 février, rendez-vous à Paris, 14h, d'Enfer Rochereau. Et devant toutes les mairies de France, à 14h, un rassemblement pour ceux qui ne pourront pas venir à 14h à la marche pour la paix. C'est extrêmement important et j'adresse ce message à toutes les forces de paix, quelles qu'elles soient, pas que politiques, toutes les forces de paix et de résistance doivent s'unir parce que la situation est vraiment, vraiment grave. Bonjour à tous. Joe Biden, le président des États-Unis, faut-il le rappeler, est soulagé. Ah, il n'a pas oublié de dossier top secret à la plage. Oui, le FBI a passé au peigne fin sa résidence balnéaire sur la dune à Rio Bos dans le Delaware. Et après 3h30 de perquisition, surprise, surprise, ils n'ont rien trouvé. Pas un seul document top secret entre deux serviettes de bain. C'est étonnant parce que Joe Biden en avait laissé traîner partout. Son entourage a retrouvé des dossiers sur l'Iran, l'Ukraine et le Royaume-Uni en vidant son bureau dans un centre de recherche totalement inconnu, le Penn Biden Center. Il a fallu prévenir les archives qui ont alerté le FBI. C'était à la veille des élections du mid-term. Heureusement, le secret a été bien gardé. Les fuites
enquêtes ont commencé début janvier. Et alors, il a fallu se résigner à confirmer en traînant les pieds. Puis d'autres documents classifiés sont retrouvés dans son garage, à côté de sa vieille Chevrolet Corvette, puis dans les rayonnages de sa bibliothèque dans le Delaware, puis le FBI a fouillé pendant 13 heures la résidence familiale et récupéré d'autres documents confidentiels. Bref, la saga aura occupé tout le mois de janvier une litanie de breaking news. C'est quand même incroyable, et c'est un laminoir pour son image de marque, ça. Oui, car les médias repassent en boucle, évidemment, la perquisition à grand spectacle de Mar-a-Lago, les protestations véhémentes de Donald Trump et Joe Biden qui s'écrit « Comment quelqu'un peut-il être aussi irresponsable ?» Alors Joe Biden, c'est Tartuffe, est aussi négligent avec des dossiers classifiés que son fils Hayden avec son ordinateur plein de mails compromettants. Alors au début, il a pris l'affaire avec désinvolture, je ne regrette rien, l'inquiétude a saisi la Maison-Blanche quand un procureur spécial a été nommé pour enquêter et le chef de cabinet du président qui est censé le protéger a sauté. Le nouveau donne entière satisfaction puisque avec cette fouille consciencieuse, transparente et totalement inutile. Alors, on est à une semaine du discours sur l'état de l'Union. Il était temps, hein ? Oui, surtout que juste après, on s'attend à ce qu'il déclare sa candidature pour un second mandat. Et du coup, on s'interroge sur les dessous de cette étrange affaire. Ce ne sont pas les Républicains qui l'ont sorti, mais des intervenants démocrates sur les plateaux de télévision. Ils ont ainsi perdu leur meilleure position d'artillerie pour pilonner Donald Trump. Mais on se demande évidemment s'ils ne complotent pas pour dissuader Joe Biden de se représenter. Trahison. Il aura 82 ans à la fin de son mandat. C'est un âge moderne pour une retraite au bord de la mer. D'autant que chemin faisant, on a découvert cet obscur centre Biden, abrité par l'Université de Pennsylvanie, qui a offert un bureau au vice-président pendant sa très courte traversée du désert. L'université lui a versé 900 000 euros et a encaissé 60 millions de dons étrangers, dont la moitié d'un Chinois totalement inconnu au bataillon. On se demande donc si Donald Trump était un maître chanteur avec son dossier sur President of France, vous savez. Et c'était très gênant. Mais on se demande maintenant si les étrangers n'ont pas de quoi faire chanter Joe Biden. Et ça, c'est encore pire. Signature Europe 1, Vincent Hervouet. Merci. Partons enfin en Amérique du Sud, en Uruguay, avec vous, Flora Genoux, à la une des journaux du pays. La démission du ministre de l'Environnement après des jours de polémique. Andrian Peña admet avoir menti sur l'obtention de son diplôme en gestion d'entreprise. « Je dois être le premier cas de ministre dans l'histoire du pays à démissionner pour une erreur de ce type », a-t-il reconnu, comme le rapporte le journal El País. Il a aussi tenu à souligner qu'il ne s'agissait pas d'un mensonge inventé de toutes pièces. « J'ai suivi tout le cursus, j'ai validé mon mémoire avec beaucoup d'efforts ». Il lui restait une matière à valider pour obtenir le fameux diplôme, rappelle le journal El Observador. Selon CNN espagnol, le désormais ancien ministre pourrait retrouver son siège de sénateur s'il le souhaitait, mais il va à la place se remettre aux études afin de terminer son cursus académique. Le pape François a délivré un message de paix et de pardon à plus d'un million de personnes réunies pour une messe spéciale à Kinshasa. Il effectue une visite de 6 jours au total en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, deux pays d'Afrique les plus profondément ravagés par la guerre. Cristo, questo desidera, ungerci con il suo perdono per darci la pace e il coraggio di perdonare a nostra volta, il coraggio di compiere una grande amnistia del cuore. Quanto bene ci fa ripulire il cuore dalla rabbia, dai rimorsi, da ogni rancore e livore. La visite du pape vise à recentrer l'attention du monde sur une région où les conflits internes font rage depuis des années, impliquant de multiples groupes armés. Elle reflète également la popularité et l'influence croissante de l'Église catholique romaine dans cette région comme dans d'autres parties de l'Afrique. Nour Chahine, de quoi traitent les journaux algériens ? Eh bien, de la flambée de l'euro sur le marché parallèle. C'est d'ailleurs le titre du Jeune Indépendant. Le quotidien explique que la monnaie européenne a enregistré une hausse importante ces derniers jours sur le marché noir face au dinar algérien. Un euro est échangé à plus de 220 dinars à l'achat. Il faut rappeler que le marché parallèle de la devise reste le seul moyen pour les Algériens d'obtenir des devises pour voyager à l'étranger. Cette réévaluation de l'euro est due à une augmentation de la demande, explique un expert à Algérie Echo. Le
site précise que cette situation est motivée par un mouvement de sortie de personnes, le rétrécissement du canal d'approvisionnement, ajouté à l'autorisation récente d'importer des véhicules de moins de 3 ans, qui ont fait réagir le marché de la devise, anticipant ainsi de futures dépenses des Algériens. Bien sûr, la capitale bahreïnie veut poursuivre ses bonnes relations avec Israël, mais exige que Jérusalem ne mette pas la question palestinienne de côté. L'ambassadeur de Bahreïn aux États-Unis, le cher Abdullah bin Rachid Al-Khalifa, s'est exprimé la semaine dernière face aux médias israéliens. Bahreïn cherche à faire progresser ses liens avec Israël et la question palestinienne sur des voies parallèles. Négliger ces derniers domaines créerait des défis pour son pays. Il y a toujours une composante interne. Pour nous, à Bahreïn, plus la question palestinienne devient difficile, plus le risque est grand pour nous, contrairement à certains autres membres des accords d'Abraham. Les nouveaux alliés arabes sont désireux de préserver le sentiment qu'Israël n'a pas abandonné la cause palestinienne. Et si Manama est conscient des nombreux défis du gouvernement israélien, la capitale bahreïnie espère que le Premier ministre israélien puisse trouver un équilibre entre le maintien des liens avec les pays signataires des accords d'Abraham et la prise en compte des pressions qu'il pourrait subir de la part de ses partenaires de la coalition d'extrême droite. Depuis son retour au pouvoir il y a un mois, Benjamin Netanyahou a souligné que le renforcement des accords de normalisation signés en 2020 par Israël avec les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc serait une priorité absolue. Parmi ces accords, Israël s'est aussi engagé à étendre de manière significative l'expansion de la présence juive en Cisjordanie. Bahreïn s'est aussi exprimé sur le dossier du statu quo sur le mont du Temple de Jérusalem. Le maintien du statu quo est un élément crucial du soutien plus large de Bahreïn aux Palestiniens. Pour l'envoyé spécial, la population et le gouvernement bahreïni plaident par ailleurs pour une solution à deux États. Autre pays qui pourrait officialiser ses relations avec Israël, le Soudan. Selon un responsable israélien, Khartoum serait probablement le prochain pays musulman à rejoindre les accords d'Abraham avec Israël. Depuis plusieurs semaines, des négociations se tiendraient entre les deux pays, avec pour médiateur les États-Unis. En octobre 2020, le Soudan avait annoncé qu'il était intéressé à rejoindre les accords d'Abraham sans pour autant signer de documents officiels avec Israël. Selon le responsable israélien, Jérusalem espère par ailleurs conclure des accords avec la Mauritanie et l'Indonésie. Au total, 7 voire 8 pays arabes ou musulmans pourraient se rajouter aux accords d'Abraham. Bonjour à tous. De quoi parle la presse turque ce jeudi ? De la fermeture hier de plusieurs consulats occidentaux à Istanbul, dont le consulat de France, en raison du risque élevé d'une attaque terroriste. Le consulat d'Allemagne est fermé, titre l'agence Anadolu. Le quotidien Cumhuriyet rapporte que ceux du Royaume-Uni et des Pays-Bas le sont également. Ils craignent d'être pris pour cible après l'autodafé il y a une dizaine de jours d'un Coran devant l'ambassade de Turquie en Suède, explique le journal. Le média en ligne Diken rappelle que les États-Unis ont été les premiers à mettre en garde leurs ressortissants en Turquie en fin de semaine dernière, les invitant à éviter les lieux les plus touristiques d'Istanbul, comme la place Taksim ou l'avenue Istiklal, déjà frappés par un attentat meurtrier en novembre dernier. Merci. Alors aujourd'hui, cette commission Covid est censée débattre de la désinformation, comme le PDG de Pfizer, Albert Bourla. Aucun responsable des médias sociaux n'a souhaité venir ici et je remercie le secrétariat qui a tenté de les joindre. La désinformation, c'est quoi ? C'est un ensemble de techniques de communication visant à tromper des personnes ou l'opinion publique pour protéger des intérêts privés ou non, ou influencer l'opinion publique. Pendant 3 ans de Covid, la Commission européenne a mis le paquet en élaborant un code de désinformation et en finançant différentes études. Le problème aujourd'hui, c'est que ces outils ont empêché tout débat, toute question, toute autre analyse sur ces injections obligatoires et expérimentales. Je vais vous donner quelques exemples. On a eu Madame Small ici qui déclare que les vaccins n'ont pas été testés sur leur capacité à empêcher la transmission du virus avant leur mise sur le marché. Est-ce que c'est de la désinformation ? Twitter file. Il y a eu question essentiellement de la politique de modération de contenu et de collaboration du réseau social avec des instances officielles sur les champs Covid. Est-ce que c'est de la désinformation ? Une vidéo de Bill Gates au Lovie Institute du 23 janvier 2023 déclare que les vaccins anti-Covid ne bloquent pas l'infection, ne sont pas efficaces contre les variants et leur durée de vie est très courte. Est-ce que c'est de la désinformation ? Vidéo de Project Veritas où un cadre de Pfizer déclare « Covid va probablement être une vache à lait pour nous pour quelques temps. Nous faisons des mutations de structures sélectionnées pour voir si on peut rendre le virus plus puissant. Pourquoi ne pas muter nous-mêmes le virus afin de produire à l'avance un nouveau vaccin ? Je soupçonne que c'est la façon dont le virus a démarré à Wuhan. Est-ce que c'est de la désinformation ?
Monsieur Walker serait donc le directeur de la recherche et du développement en charge des opérations stratégiques et de la planification scientifique de l'ARN messager chez Pfizer. C'est donc une bombe informative de la manipulation du virus du Covid pour diriger son évolution qui n'a reçu quasiment aucun écho dans les grands médias mainstream, à part Twitter, et aussi on peut voir toutes les autres plateformes ont censuré la vidéo. Pourtant, Pfizer, dans son communiqué le 27 janvier à 20h, n'a pas démenti que cet individu aurait travaillé chez eux dans ses fonctions. Et Pfizer a confirmé qu'il pratique bien l'ingénierie de virus. Qui donne l'ordre de censurer ces vidéos? Qui a coordonné la pression sur Google, TikTok et les autres? Les rapports de l'EMA qui relatent plus de 25% d'effets secondaires graves, est-ce que c'est de la désinformation? Pourquoi le PDG de Pfizer fuit les questions à Davos comme un coupable? Est-ce que c'est de la désinformation? Finalement, qui décide du narratif officiel? Qui dirige? Bruxelles ou les Big Pharma? Depuis 3 ans, des médecins, des virologues, des élus ont été censurés ou éloignés des débats publics quand ils ont osé parler d'alternatives à l'injection ou des effets toxiques, voire mortels des injections sur les femmes et les jeunes. Des soignants, je le répète, sont toujours suspendus en France et les victimes d'effets secondaires se comptent par milliers. Mais ceux qui voulaient lutter contre la désinformation ont en fait, je trouve, utilisé cet outil pour leur propre propagande. Les Big Pharma se frottent les mains. En Ukraine, contribue-t-elle à la prospérité de la Norvège? Depuis le début de l'invasion russe, le 24 février dernier, les exportations de gaz et de pétrole ont triplé, et avec elles, les bénéfices perçus par Oslo. Une manne que le royaume devrait redistribuer à l'Ukraine sous peine de passer pour un profiteur de guerre, le gouvernement norvégien refuse les critiques. Money coming in from sales of oil and gas does not come to my budget. It comes into the pension funds and this is our way of spreading those incomes to future generations. Le Premier ministre affirme qu'Oslo va augmenter son aide à l'Ukraine. We are committed in Norway to maintain a high level of support to Ukraine. Norway is a fortunate country. We have income, we have, you know, a possibility to make a difference and I feel that responsibility. Cette année, le gouvernement norvégien prévoit un excédent budgétaire record de 104 milliards d'euros. Face à ces revenus vertigineux, la contribution de Oslo à Kiev paraît modeste, 985 millions d'euros en 2022. Un nouveau plan d'aide pluriannuel à l'Ukraine devrait être présenté dans les prochains jours. La hausse des prix de l'électricité avec Éric Revel. Et là, il y a pas d'humour, hein, vraiment. Bonjour Éric. Non. Oui, parce que bonjour, après Patrick, une revalorisation de 4% de l'année dernière, le tarif réglementé a donc augmenté depuis hier de 15% pour les particuliers. Une hausse qui s'ajoute à d'autres avec une inflation plus importante. Hein. Oui, bah, il y avait aussi la hausse de 15% sur le prix du gaz au 1er janvier, hein, parmi les hausses dont vous parlez, Patrick. C'est donc maintenant la facture d'électricité depuis hier, et suivant vos abonnements, il faut regarder dans le détail, qui fait donc un bond à 2 chiffres, c'est considérable. Mais, sans le bouclier tarifaire, vous savez, les milliards d'euros que le gouvernement met sur la table, 25, hein, pour l'électricité, ben, sans ce bouclier tarifaire, la commission de régulation de l'électricité, Patrick, écoutez bien, estime que la hausse aurait pu atteindre 99%, c'est en tout cas le chiffre qu'on nous sort. Alors évidemment, c'est totalement insupportable. Aucun ménage français n'aurait pu supporter ça, à part une minorité. Mais cette hausse de 15% des factures électriques va quand même toucher 21 millions de ménages d'entre nous, hein, touchés de plein fouet, les plus pauvres évidemment, mais aussi les classes moyennes, déjà souvent, hein, dans l'impossibilité, vous l'avez dit, à cause de l'inflation, de tout ce qui augmente, de boucler les fins de mois. Oui, mais c'est ça. Une hausse qui aurait pu frôler les 100% sans ce bouclier tarifaire. Oui. Comment expliquer la monstruosité, c'est le cas de le dire, de ce chiffre tout de même? Oui. Bah oui, alors 15% c'est déjà très fort, 99%, c'était évidemment tout le monde dans la rue, mais je vois 3 explications à ces chiffres, hein, considérables. La première, c'est le fameux système européen électrique tarifaire, hein, vous savez, c'est le prix du gaz qui conditionne celui de l'électricité. Or, ce tarif réglementé européen, hein, qu'on nous vendait comme bon pour la concurrence, vous vous en souvenez, ben, il a été extrêmement mauvais pour les consommateurs. Il a détruit, ben, en quelque sorte, notre souveraineté énergétique nationale. Et puis, par contre-coup, ben, il appauvrit les Français, puisqu'on paye de plein pot l'augmentation des factures. Bruxelles, on peut le dire, a mis sur le flanc EDF, notre champion national, et on voit le résultat aujourd'hui. Alors, deuxième explication, ben, la très forte reprise aussi économique après la crise Covid, vous vous en souvenez, on affichait des taux de croissance records. Ben, qui dit crise
crise, qui dit croissance économique forte, bah, dit décalage entre l'offre et la demande d'énergie. Bah, du coup, il y a une forte demande de l'énergie, de l'électricité notamment, et donc les prix, bah, ont été en hausse. Puis, troisième explication, Patrick, bah, c'est la guerre en Ukraine, évidemment. Les restrictions sur les achats de gaz russe qui nous obligent à chercher d'autres sources d'approvisionnement, bah, ces autres sources d'approvisionnement nous font pas de cadeaux, elles sont chères, beaucoup plus chères. Le pouvoir d'achat des Français donc qui est mis à mal, hein, la paupérisation progresse, de plus en plus de ménages qui basculent dans la grande pauvreté, Eric. Bah oui, oui, vous parliez de logement ouais, à l'instant avec cette dame qui témoignait, mais la paupérisation gagne beaucoup de Français, oui, oui. Les classes moyennes maintenant sont touchées durement. L'INSEE le dit régulièrement, hein, ce sont les ménages avec les revenus les plus bas qui subissent plus fortement la hausse des prix d'énergie. Pourquoi ? Ben pour une raison simple, parce que la part du revenu consacré par les plus fragiles, ben elle est plus élevée proportionnellement que par ceux qui ont plus de moyens. On estime quand même, hein, on n'est pas très sûr du chiffre, mais entre 9 et 10 millions le nombre de pauvres dans notre pays, c'est-à-dire un ménage en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1120 euros par mois. Et puis aussi, la très grande pauvreté progresse, hein. C'est le rapport de la Fondation l'Abbé Pierre. Ce sont dorénavant 330 000 SDF en France en 2022. 330 000, Patrick. Le chiffre a doublé en 10 ans. C'est effrayant. La société française abandonne les plus fragiles. Il faut le dire, c'est totalement choquant. La réforme des retraites, qui n'est pas le seul texte à donner du fil à retordre au gouvernement, il y a aussi le projet de loi immigration. Oui, texte présenté ce matin en Conseil des ministres. Il prévoit d'expulser plus rapidement les délinquants étrangers et de faciliter la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Alexandre Chauveau, sur ce texte aussi, le gouvernement aura besoin des Républicains. Oui, et c'est loin d'être gagné à ce stade. Éric Ciotti et l'ensemble de la droite ont déjà fait savoir qu'ils voteraient contre. Le casus belli, c'est le volet travail de ce projet de loi qui vise à créer un titre de séjour pour les métiers en tension. Une opération massive de régularisation dénoncent en chœur les Républicains et le RN. Mais Gérald Darmanin défend son texte tout à l'heure à l'issue du Conseil des ministres. Il ne s'agit pas d'être contre l'immigration ou pour l'immigration, mais de pouvoir contrôler l'immigration et pour un pays souverain comme le nôtre, de définir ce que nous souhaitons comme type d'immigration et quelles armes administratives, juridiques nous mettons en place pour à la fois accueillir, pour reconduire et pour intégrer les personnes qui, depuis toujours, viennent dans notre pays pour pouvoir vivre. Alors si Gérald Darmanin s'affiche confiant quant à l'issue du vote sur ce texte, en coulisses, le ministre de l'Intérieur multiplie les entretiens pour tenter de satisfaire la droite. Un exercice d'équilibriste pour ne pas se mettre à dos l'aile gauche de la Macronie, peu encline à voter un texte qui serait jugé trop dur sur l'immigration. Bref, Gérald Darmanin doit trouver le meilleur compromis possible sur un projet de loi clivant, projet qui revêt pour lui un enjeu politique majeur. Alors que le recours à un 49-3 est exclu par Beauvau, un échec à faire voter ce texte serait vu comme un camouflet pour le ministre de l'Intérieur. Alexandre Bonchain sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer les questions de sécurité, je vous le disais, avec ce trafic de drogue dans les ports et notamment le port du Havre. 6 hommes sont accusés d'avoir été les acteurs de premier plan d'un vaste trafic de cocaïne international. On va avec des dockers corrompus. On va faire le point avec Maëva Lamy et Sandra Buisson et puis on en débat ensuite dans le punchline. En provenance des ports de Colombie, d'Équateur, du Brésil, parfois en faisant étape dans les Antilles françaises, c'est par mer qu'arrive 84% de la cocaïne qui entre dans l'Hexagone. Le plus souvent, elle est cachée dans des containers au milieu de la marchandise légale, café, fruits, sucre par exemple. Le Havre est le premier point de déchargement en France. En 2021, 10 tonnes y ont été saisies. Mais une fois au port, les trafiquants doivent trouver un moyen de la faire sortir, comme l'explique Stéphanie Charbonnier, directrice de l'Office français anti-stupéfiants. Ça peut être une corruption d'agents publics, une corruption d'agents privés. On parle souvent des dockers qui sont une profession particulièrement exposée sur les ports. 50 000 euros parfois pour déplacer un conteneur où est cachée la drogue. 75 000 euros pour signer une autorisation de sortie. Un trafic qui amène avec lui son lot de violences, d'enlèvements, de séquestrations, de règlements de comptes. Si les attaques à l'arme lourde comme à Anvers ne sont pas encore d'actualité, le danger guette selon le procureur du Havre. L'autre voie d'entrée de la cocaïne en France, ce sont les vols au départ de Guyane essentiellement, en direction des aéroports parisiens. C'est de la cocaïne. Il est 9h45, vous êtes placé en retenue douanière, monsieur.
Des passagers sont payés pour passer les stupéfiants en les cachant sur eux ou en avalant les capsules de drogue. En 2021, près de 2 tonnes de cocaïne ont été saisies dans les aéroports parisiens.